Hi, my name is Kevin Eastman, co-creator of the Teenage Mutant Ninja Turtles, and you're watching me on the Casey Jones Montreal channel! Class is paying 101. Your instructor's Casey Jones. Hey, salut gang, et bienvenue à une autre review de votre chum, Casey Jones! Aujourd'hui, je vous fais la review de deux figurines qui est un personnage. Mais il y en a deux, mais c'est un. Mais voyons, il est juste pas barré! Il est habillé différemment, mais c'est deux fois le même! De qui que je parle? Je parle du professeur Jordan Perry du film Ninja Turtle 2 Secret of the Ooze! Et ça s'est fait par qui? Par le boy de chez Naleka! C'est parti! Why TGRI has finally decided to clean up the waste it's been burying here for years. Would you like me to keep my answers succinct, or will you be able to edit later on in case I start to ramble, which unfortunately I'm in the habit of doing? Professor, we're live. Right. Please continue, Professor. Yeah. Well, on our way to bury them, a near collision caused us to lose one of the canisters down a sewer 15 years ago. Professeur Perry dans toute sa splendeur et ses deux costumes qu'il avait dans le film Ninja Turtle 2 Secret of the Ooze. Yeah! Ben oui! NECA contre toute attente nous sortent Professeur Jordan Perry 2 pour aller avec nos figurines The Secret of the Ooze, les Turtles, Kino, et Shredder, Super Shredder, les Foot, le gros Foot et la la la. Vous savez de quoi que je parle, je vous ai déjà fait les reviews de tout ce beau monde-là. Donc, c'est ça. Ce que je trouve cool et plate à la fois, c'est que en même temps, c'est un hommage à l'acteur, comme j'ai fait au début de la vidéo. C'est un hommage à la mémoire de David Warner, et qui personnifiait Professeur Perry, qui est décédé. Et malheureusement, il n'a pas pu voir sa figurine complétée de lui. Mais je suis sûr, très très sûr et certain qu'il aurait été très fier de Nika et de cette belle figurine. Je peux dire que même si c'est un personnage, est-ce que c'est important de l'avoir dans sa collection? Pas vraiment. C'est un personnage important dans Secret of the Ooze, mais je veux dire, si vous êtes pas un complétiste fou braque comme moi et qui veut toutes les figurines, c'est un easy pass. Sinon, ça fait deux belles additions dans votre collection. Donc, c'est ça. Ils ont décidé, NECA, de nous sortir un two-pack avec ces deux-là, qui est lui, Professeur Perry, et comme on le voit dans le film. Donc, dans le film, on le voit pas mal souvent. Et on le voit la plupart du temps habillé comme ça. Et la première fois qu'on le voit en entrevue avec April, il est habillé comme ça. Donc, ils ont décidé de nous le donner en deux exemplaires dans un two-pack. C'est cool. Il aurait pu nous le mettre avec un foot, cette version-là, mettons, avec un foot. Et même la April O'Neil de Paige Turco. Tu sais, je sais pas. Peut-être qu'elle est prévue, on ne sait pas. Mais il aurait pu le mettre avec celui-là. Donc, on s'en fout un petit peu. Et celui-là, il aurait pu nous le mettre avec un foot.
Mais ils ont décidé de nous les mettre ensemble. C'est bien correct. Donc, comme vous pouvez voir, ils viennent avec beaucoup d'accessoires. Toutes des petites affaires qu'on peut facilement perdre. Eh oui, merci Neka. Et il vient avec, comme je dis, ces accessoires-là qui sont pas mal plus pour lui que lui. Et avant qu'on se pose la question, comment ça se fait que lui, il a le pissenlit dans les mains de Professeur Perry? Mais non, ça va pas à lui. Ça va à Shredder, The Secret of the Use. Et moi, j'ai décidé de le mettre dans sa main à lui parce que ça avait pas vraiment d'utilité de le mettre dans les mains de Shredder dans mon display que je vous remonte encore. Ouais. Tu peux, des petites modifications. Donc, c'est ça. Donc, on y va avec le premier Jordan Perry. Et oui, hein, vous le savez, ça vient aussi avec des cannes de ouze. Mais ça, les amis, on en a tellement que je vous ferai même pas la description parce que ça vaut pas la peine. On en a à peu près 883 000 de ceux-là. Fait que... Parti! Les cannes de ouze. Et voilà. Donc, c'est ça. Dans le fond, je blague, mais c'est juste parce que je voulais vous montrer que les cannes ils tiennent dans cette main-là. Et comme accessoire, ils ont seulement la... En fait, ils viennent avec les mêmes mains de rechange, c'est-à-dire cette main-là ouverte qui est un peu relax et qui peut pas vraiment tenir d'accessoires. Donc, c'est ça pour les deux mains. Et, je vais y aller avec celui-là ici. Je vais enlever le pissenlit, vu comme je vous dis qu'il vient pas avec. Je l'avais déjà fait dans la review de Secret of the Huge Shredder. Donc, il vient, lui, comme accessoire, il a son chapeau. Donc, c'est un casque de construction. Très bien fait, avec la... Même l'espèce de gants en plastique ici, là, qu'on peut serrer quand le casque est trop grand pour notre tête. Et il vient avec une paire de lunettes. Donc, comme vous pouvez voir, les lunettes, c'est à part. Je vais essayer de faire un zoom. Oups. Ben oui, évidemment. Il fallait qu'il y ait quelque chose. Et là, là. Donc, c'est ça. Ça a tombé. Et je ne couperai pas. Parce que je suis un authentique. Donc c'est ça. Pour remettre ces lunettes qui sont microscopiques. Donc, ici, on peut voir... Fais un zoom sur sa face, s'il vous plaît. Okay. Donc, on peut voir, les cheveux ont comme mis une petite séparation sur les côtés, juste au niveau des oreilles. Donc, les lunettes, on a juste à les insérer dans les petits trous, ici. Préférablement sur son nez. Et là, là, avec mes gros doigts, puis mes gants, c'est pas évident. Et comme ça ici. Donc, je vais essayer de l'avoir ici. Donc, ses cheveux permettent, sans les briser, ses cheveux principalement... OK, je l'ai eu. Donc, s'ils sont bien insérés sur son nez, je doute... Anyway, bon, c'est ça. Donc, il faut y aller délicatement. Et son chapeau rentre très bien sur sa tête aussi. Et comme ça. Donc, il y a ses lunettes qui sont très grosses à 13 années 90. Donc, c'est ça. Il faut juste réussir à les mettre comme il faut sur son nez. Donc, ici, on voit, il y a sa petite, son petit beau taille, son petit nœud papillon. Ils ont réussi. Ici, il y a sa badge qui est collée, évidemment. Faut pas la tirer. Et les articulations, c'est les mêmes que Neku. Je vous les effraie pas bien, mais quoi que cela, il est vraiment... Les articulations sont pas collées. Sont pas trop lousses non plus. Ça tient super bien. Donc, il y a des joints simples aux genoux et il y en a des doubles aux bras. Donc, ça lui permet de faire de quoi. Et ses beaux souliers bruns. Et ils viennent avec un petit peu d'articulation à la cheville, mais monte descend très facilement. Donc, sa main qui est entre-ouverte comme ça,
paraît comme là, est faite comme pour tenir des accessoires. Quoique là, je l'ai peut-être un peu agrandi en ayant mis la bouteille de ouze dans sa main déjà. Donc, comme elle est partie dans la stratosphère, la bouteille de ouze, ben je vous la montrerai pas. Mais oui, elle tient très bien dans sa main. Donc, pour ce professeur-là, Jordan Perry vient avec une multitude d'accessoires. Tous des trucs qu'on a déjà vus. Oui, j'ai déjà fait la review de certaines choses qui sont sur sa table, le display ici. Effectivement, j'ai déjà fait deux reviews. Certaines de ces accessoires-là viennent avec, pour ceux qui s'en souviennent, Mona Lisa. Donc ici, les accessoires de Mona Lisa. Et il vient aussi d'autres accessoires de Invisible Donatello Crossover Universal Monster. Donc, c'est ça. À part les bouteilles brunes ici et ces deux verres-là, qui sont plus des... pour mesurer, là. Donc, ça aurait été cool qu'ils nous donnent un verre avec Bart Simpson, comme dans le cartoon, mais... Pas comme dans le cartoon, mais comme dans le film, mais j'imagine que c'était pas possible. Donc, elle vient aussi avec un pad. Donc, un pad de notes. Donc, il y a des trucs écrits dessus, mais c'est tellement du gribouillage et du n'importe quoi qu'on voit pas vraiment. Si on voudrait déchiffrer, peut-être, vous pouvez essayer. Je vais vous laisser comme ça. Je vais vous cacher. Comme ça, je vais enlever la lumière qui cachait. Et si vous êtes capable de lire, je vais peut-être pause. Moi, peut-être, je vais l'essayer quand je vais regarder la review. Donc, il vient avec son pad, comme je vous ai montré, et l'autre. Les mêmes choses, des lunettes, même principe, quoique les visages sont différents. Donc celui est plus sérieux, lui il a l'air comme un peu surpris. Donc ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'acteur David Warner. Puis c'est ça. Donc lui était disponible sur NECA Store, sur le NECA Store, c'était une exclusivité, il se trouvera pas nulle part. Je vous fais la review en mars, elle sort en avril, peut-être qu'elle est encore disponible, peut-être qu'il est encore disponible en précommande sur le NECA Store parce qu'il était très 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 longtemps disponible. Donc moi je l'ai reçu la semaine passée, bon on est au mois de mars là, je vous dis pas exactement quand, mais je l'ai reçu. Et je vous en ai fait la review. Yeah! Donc, c'est ça. Il y a beaucoup d'accessoires. C'est très, très cool. Sauf que, comme je dis, c'est des accessoires très petits. À moins qu'on veuille lui monter un laboratoire en display, c'est bien pratique. Moi, je pense pas avoir une utilité pour ça pour le moment, vu que je l'ai mis dans mon display ici, comme je vous l'ai montré tantôt. Et c'est ça. Fait que je pense pas les utiliser. Lui, je l'ai mis ici. Donc, c'est ça. Je l'ai mis avec le pissenlit et la canne de ouze dans les mains. Et lui, le pad et l'autre canne de ouze qui est vide et qui est pleine. Donc, c'est ça, c'est tout pour moi. Et, c'était votre chum Casey Jones qui vous a fait la review du professeur Jordan Perry 1 et 2. Et je vous dis... Cowabunga!